Bonjour. Bonjour la force de la bite. C'est ce qui est écrit, hein. Force de la bite. T'as encore des œufs? Vas-y, jette-moi des œufs. Ah oui, il y a Lay of the Flugel aussi, tiens, je me souviens de ça. J'ai récupéré mes petits poissons, j'ai fait un clic droit, je pensais qu'il y avait encore des œufs. Souvenez-vous, super long à faire pousser, j'ai deux petits poissons. Ouais! Qu'on peut faire reproduire. Ah, je l'ai mis là-bas, je crois, mon reproducteur. Bah, tiens, la poule fait pouf Hop! pouf. Et voilà, ils se reproduisent et on peut continuer comme ça et ça produit des petits trucs. Alors c'est dommage, il n'y a pas de quête sur. What? Ok. Sur mariculture, parce que j'aurais bien kiffé. Allez, un peu dessus. Attends, il y a un Elvis là. Oh Ah, yeah! je suis coincé. Hop. Oui. Il n'y a pas de quête sur mariculture, donc c'est pas grave. Alors, aujourd'hui. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas épais? Alors, on va revenir sur Léonard. Alors, oui, tout à fait, vous nous aviez dit de ne pas l'invoquer, qu'on n'était pas prêt et tout. Vous inquiétez pas, on avait lu les commentaires. Mais on voulait quand même le faire pour voir un petit peu bah, comment il était, par curiosité surtout. Si on savait très bien que vous pouvez pas le buter. Alors, vous avez donné plus d'infos sur le pourquoi du comment. Alors, déjà, une chose, apparemment, il faut les cercles blancs. Tu sais, le cercle que j'avais fait de base quand. Quand l'hôtel était ici, Ouais. c'est des glyphes que tu mets autour. Donc apparemment, il les faudrait pour invoquer Léonard. C'est fort, fort possible, mais enfin, c'est pas dans le bouquin en tout cas, et sur le wiki, c'était pas indiqué. Pas trop pourquoi. Mais en tout cas, apparemment, il faut ça pour l'invoquer. C'est pour ça que chez nous, ça ne fonctionnait pas. Il manquait juste ça parce que tout le reste, on avait ce qu'il fallait. Pour ce qui est de Léonard, il savait, je sais pas si tu te souviens, quand on le tapait au début, on le butait un peu, puis ensuite il y avait des sortes de petites particules qui nous tournaient autour. Ouais, et puis il est Et donc en invincible. fait, ouais, alors tant que t'as pas buté ces particules, lui est invincible. Il faut savoir que lui est invincible à la magie. Et les particules autour, suivant leur couleur, elles ne sont sensibles qu'à certaines choses. L'électricité, qu'au feu ou des trucs comme ça. En fait, il faut utiliser des sortes de. Alors, soit des potions Ouais. spéciales magiques, soit du Tonecraft. Pour pouvoir buter à chaque fois ces petits. Ces petites particules et pouvoir continuer à buter Léonard. Mais il est ultra hardcore à buter. Aïe. Il est ultra hardcore à buter quand même. Oh, j'ai un petit pixie qui m'a. C'est vrai qu'on peut voler. Quand même ultra hardcore à buter. Bon voilà, on voulait essayer. Je ne savais pas qu'il y avait ces trucs qui rendaient invincible en fait. Je pensais qu'il était juste dur. C'est pour ça qu'on avait essayé la dernière fois. Mais clairement, à ce niveau-là, on peut pas le buter. C'est pas gênant qu'il soit là puisqu'il ne nous focus plus vu qu'on est morts tous les deux. Donc il peut rester là. Mais on ne va certainement pas le buter. Au niveau du. Il est où mon livre de quêtes? Des quêtes. Qu'est-ce qui. Pour ce qui nous restait à faire. On a fini quand même pas mal de choses. Bon, ça c'était juste un bouquin qui ne s'ouvrait pas d'ailleurs, mais ça va. Il nous restait un petit peu donc les tanks, mais ça on a déjà vu, hein, souvenez-vous, FTP saison 2, si je ne dis pas de bêtises, avec mon méga tank. Ah, Ravencroft. Ouais, les boilers, les steam boilers, déjà vu aussi. Donc ça, il restait pas grand-chose. Ça c'était fini, même si elle est à 90%, je ne sais toujours pas pourquoi. Tout ce qui est. Ça, on l'a bien fait. Les apiéries, donc c'est les abeilles. Ça reste léger quand même, parce que c'est la dernière quête. Tous les croisements de pente, on en a fait quelques-uns, mais on n'a pas vu les autres parce que, au final, ben, ça reste des croisements, ça reste assez long. Chiant. C'est du farming et. Ouais. On est un peu moins intéressé par ça, en fait. Et puis, ben, il restait évidemment Witchery, sur lequel il reste des choses, notamment le fait de. Léonard et tout le truc dans l'autre dimension qui est un petit peu chelou. Ça, je l'avais Ah vu. oui. Puis le spirit, je crois que c'est ça. Ah, le spiritual soothing. Alors ça, pour faire ça, c'est super hardcore puisque il faut aller dans la dimension des rêves et des cauchemars. Enfin, il faut aller dans un rêve plus que dans un cauchemar, éviter les cauchemars. Et il faut recréer là-bas cette potion que là-bas. Donc en fait, partir de zéro, super hardcore. Et il reste. Voilà, Attunate Charge, ça on aurait pu le. Voilà, il faut faire le Circle Magic avec Witchcraft. Donc il reste tous ces petits trucs. Cependant, et il reste évidemment tout Tomcraft. Alors Tomcraft, épée, connaît Par très cœur. bien. Vraiment par cœur, mais c'est Par tellement cœur. chiant et En fait, long. c'est long.
C'est-à-dire c'est long et on va être limité par rapport à certaines autres choses du modpack. On va pas l'utiliser, Tomcraft, en fait. Enfin, hormis Théona. On a lu pas mal de vos commentaires. Alors, il y en a qui étaient bien mad parce que la dernière fois on a invoqué le truc et ça marchait pas, machin. Bon, oui, on vous comprend totalement. Il y en a qui me disaient aussi que. Le souci, c'est qu'il voilà, il se passe plus grand chose. Et c'est dû au fait que. Le plus, ça peut paraître un peu con, mais c'est tout ce qui était graines et Botania. Donc, Botania et Agricraft. J'ai pas mal aimé aussi Witchcraft, même si ça part un peu en vrille à la fin. Mariculture, beaucoup aimé aussi, mais malheureusement, il n'y avait rien de plus. Et donc forcément, on se concentre sur ce qu'on aime plus. Par exemple, Tomcraft, moi j'aime moins, je dois l'avouer, j'ai un peu du mal à suivre le truc et j'aime un petit peu moins. Et les autres, j'aurais bien aimé faire les lecs, mais on avait déjà vu un petit peu. Tiens, ah oui, du coup, t'as fait les... Oui, lol. Donc voilà, notre but c'est avant tout de vous faire découvrir les modpacks, etc. Comme matériel énergie, je pense que Bigross, on est arrivé un petit peu. Alors oui, il reste des quêtes, vous pourrez les faire. Je pense que c'est mieux de partir sur un autre modpack, de vous le faire découvrir, de s'amuser avec, de faire un petit peu. Oh bah Léonard, coucou toi. Un petit peu les cons comme on a fait. De prendre du plaisir tout simplement. Et si vous en plus vous aimez le modpack, enfin. Pas y jouer et quitte à plus regarder la série si vous voulez pas vous spoiler. Le but c'est vraiment ça, c'est vous faire découvrir des trucs. Nous en tout cas on s'éclate à le faire. Oui, ça marche. Bah non, attends, ça marche pas. On s'éclate un petit peu moins à le faire parce que certaines des quêtes deviennent un petit peu chiantes parfois. Bon, après c'est un ressenti, hein, tout à fait. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave si la série n'est. Si les quêtes ne sont pas toutes réalisées, hein. Le but c'est pas non plus de faire 100%. Salut Léonard, ça boum. Oh oh. Je crois qu'il t'en veut un peu. Oh, il me faut un saut de lait, mec. Il me faut un saut de lait, vite du fer. Il m'a envoyé un Mortal Coil. Ah cool. Alors le Mortal Coil, on peut l'enlever avec le saut de lait. Si tu l'enlèves pas, tu crèves. Ah bien. Ah bah je l'ai aussi, tiens. Et Jérôme. Je te fais un saut. Je te fais un saut, mec. On y croit. On va tous crever. Donc voilà. Après, c'est normal aussi. Certains me disaient, ils aimaient beaucoup la série au début, un peu moins après. Enfin, c'est normal, hein. C'est Que tu boives un saut de lait ou pas du tout, ça change rien. Hein. Je te le dis tout de suite. Que tu quoi, bois un saut de lait ou pas, ça change rien. Ouais, tu l'as toujours. Merde. Mec, il a pris masse de dégâts. Oui, c'est moi qui l'ai tapé. En même temps, c'est pas comme si je lui faisais mal. Mec. On va le tuer ou quoi ? Voilà, regarde, regarde. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a les points verts et les points rouges et les points bleus. Et pour les buter, il y en a très cité. Il y en a un, c'est le l'eau, je crois, peut-être. Je sais plus. Mais c'est des petits esprits. Tu sais qu'il nous reste 40. Ah non, j'ai plus Mortal Coil. J'ai Sinking 4. Ouais, Sinking, ça veut dire il t'a platé au sol. Apparemment je vais couler, mec. Ah oui, je peux plus voler, mec. Oui. Faire que du delta plane, c'est trop marrant. Oui. Ça fait l'effet delta plane. Donc voilà, encore une fois, désolé de ne pas finir cette série, mais je pense honnêtement que ça soit pour le contenu pour vous et pour nous, c'est mieux d'arrêter là, tout simplement. Comme certaines séries, j'ai pu arrêter à partir du moment où on s'amuse un petit peu moins, ce qui a été le cas. Lors du dernier tournage, il y avait des trucs sympas, mais on s'est un petit peu amusé, moins amusé. Vous l'avez certainement senti, que ce soit épais ou moi. Oh bah moi, on je meurs pas à la fin. On est moins amusé, à partir du moment où on s'amuse moins, on préfère passer directement à autre chose. Bon, c'est pas comme si on vous avait promis dès le début de venir, n'est-ce pas. Mais en tout cas, on a fait quand même pas mal de choses, et vous aurez pas découvert mode, Tomcraft par exemple. Mais vous aurez découvert Agricraft et Botania, pour lesquels vraiment, là, on a vu toute la panoplie du mod pour ces deux-là, en tout cas. Ouais, voilà, mon cher épée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a de quoi faire de la TNT ou pas? Ah oui, beaucoup aussi nous ont dit que c'était le bordel dans nos coffres, ça je suis tout à fait d'accord avec nous, avec vous. Y a pas Applied. Bah si, y a Applied. Y a pas Applied et moi j'ai du mal quand y a pas Applied. Oui, je sais. Par exemple, y avait des Golden Thread, okay. Et puis m'en servir la dernière fois. Ah bah t'es morte. Et je m'en suis pas servi. Ah, c'est instant. Juste. Ah, y a ta tombe qui est là, c'est mignon. Bah oui. Ah, tu t'es fait instant, bah oui, c'est classique.
Comment on l'a fait ça là? Oh mais ouais, de toute façon. Fallait bien Witchcraft, que ça se termine un jour. Ouais. Donc voilà, c'est ça les cercles magiques. Là par exemple pour l'atténuer de stone, il faut. Oh putain, faut que je fasse celui-là. Mais alors du coup, je pense. Voyons voir. Ah ça, je pouvais le faire avec... Et c'est que des rites, c'est ça que j'ai pas trop compris pourquoi il le fallait pour Léonard. C'est que des rituels, pardon, pas des rites. Ah, incarnation. Ah, tu sais que tu peux summon une incarnation d'un joueur là où il est mort. Oui, c'était... Oui, ça, je l'ai vu dans Witchery. Il y a vraiment, vraiment. Oh, ben celui-là il est violent. On peut le réanimer sur place. Curse of Hell on Earth. Mec, on peut faire l'enfer sur Terre. Misfortune, Sanity, Sink. Ah, Sinking, tu vois, c'est ce qu'il nous a fait. Oui. Certains qu'il faut que tu fasses dans une. Il y a vraiment des trucs hyper intéressants, mais c'est poussé P à l'extrême, quoi. Ah, faut vraiment être à fond dedans. Oui. Bon. Ah, il y a des rites de Remove Curse. Ça peut être intéressant, tu vois. Oui, je vole. Needs 4. Putain, y a des trucs où t'as besoin d'un chat familier, etc. Enfin, là le bordel. Donc voilà, les gars, désolé, on finit là-dessus, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui se lassaient un petit peu, et bah, vaut mieux arrêter là avant de se lasser totalement. Et on va partir du coup sur un nouveau mode pack, n'est-ce Ouais, pas? un bon On mode va pack. voir un petit peu Il a ce que l'air ça bon. donne. Il a l'air cool. Je pense après. On verra, il a l'air sympa, on va voir. Mais après ce mode pack là, moi j'aurais bien envie de repartir, et on est en train de voir ça un petit peu, sur du multimodé. Mais là je serais plus exigeant sur les modes. Parce que dans le dernier FTP, il y avait un mode que je voulais absolument et qui n'a jamais été mis, et du coup. Et en plus, le mode pour faire la drogue ne Ah bah oui, fonctionnait pas et ça n'a il était jamais été pas à jour. fixé, c'est bien dommage. Il n'était pas à jour. Mais dans tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai appris beaucoup de modes pour toutes ces séries, comme matériel énergie ou. Ah, ça y est, tu l'as enfin fait. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Mais on verra, hein, pour la partie modée, comme je sais, comme toujours, c'est des problèmes de temps. Un Ouais. petit peu difficile. Je le ferai peut-être en stream en fait, comme je commence à faire du. Enfin, je vais faire plus souvent du Holy Cube en stream. C'est plus sympa en stream qu'en épisode, c'est plus simple à faire, on va dire. C'est beaucoup plus simple. On essaye moins de structurer ce qu'on veut faire, comme dans une vidéo, etc. Donc on laisse libre cours à nos pensées. Ah oui, t'en as fait quand même pas mal, quoi! Ah bah, je suis en créa, hein, je te signale. Ah! Ça Ah marche bien. d'accord, c'est comme Ça marche ça, tu vois. bien, hein. Allez, j'ai même pas vu. Je me suis dit, putain, il a crafté. Ouais, j'en ai crafté une Attends, tu centaine. crois qu'on peut faire péter Léonard? Il est où? Ah ouais, ça pourrait être sympa, tiens. Léonard! Viens voir papa, on va te faire sauter. Ah d'accord, il est dans l'eau. Il est cool, mec. Non. T'es sûr que ça va péter dans l'eau? Attends. Non mais c'est pas grave, je vais juste le faire tenir debout. Voilà, il est coincé dans Ça l'eau me plaît. maintenant. Voilà! Petit flint and steel. Et oui, et là. Oh merde. J'appuie sur search item, ça déconne, je crois pas. Là oui, c'est de la fin, hein. C'est pour faire un épisode de 20 minutes pour pas spoiler. Voilà, bah... Ah, il a pris beaucoup de dégâts, MDR. Lui... Ah! Ah, t'as fait péter ici? Ah non? C'est une Non. TNT qui est arrivée jusqu'ici. Ok. Bon mec, tu dis au revoir au champ? Un champ qui nous a fallu beaucoup de temps, On a mis mais... tellement de temps à faire ça. Au revoir. Au revoir, Botania! Ah ouais. Hey! Ah, il y a des gros trous en Attends, il dessous. reste des graines. Il reste des graines. On fait évidemment toujours la TNT à la fin. Ah, chaque Pas mode marrant pack, hein, de toute sinon. façon. FTP Bon, 4, je en tout voulais cas, le faire sauter d'ailleurs. amusé entre Rigross et Matériel Énergie. Ont été très différents, donc c'était agréable parce qu'on n'avait pas l'impression que ce soit redondant ou quoi que ce soit. Des modes très différents. J'ai peut-être un peu plus préféré Matériel Énergie, le fait qu'il y ait. Enfin, le début de Matériel Énergie, parce que la fin, j'ai toujours pas compris la fin de Matériel Énergie, mec. Oui, moi... Ça devenait.
De quoi après avec les mondes. Mais le début était vraiment sympa avec les différents worlds qu'on loadait et tout, c'était... Surtout la pire c'était quand même celle du loup qui était en paquet de milliers de... Ah ouais, alors les loups en 250 là. T'as vraiment pété un câble pendant... C'était en fait. Oui. Et tu sais quand il fallait creuser à travers le... des silverfish juste pour trouver ouais. le... C'était infâme ça. La laine, ça non plus j'ai pas compris. Ah, Buildcraft qui va manquer. Ou pas, mais... N'empêche que... Tant de graines. Tant de haine. Ah bah, je l'ai activé. Oups. Oui. La PB craft. Ah, ça fait toujours du bien, on se défoule à la fin. On aura fait une belle base après. Enfin, belle, je sais pas, mais assez grande. Belle, je crois pas. Attends, ça fait des dégâts quand on pète ça, je crois. La musique qui se déclenche en orbite. Ah oui, tu l'as pas. Ah oui. N'est pas ces arbres. Et donc le prochain mode pack, ça sera. Alors si tout va bien, si on un petit peu qu'on s'aperçoit que c'est de la merde, on changera. Ça sera Void World. Ouais. Un beau. Un mode pack a l'air plutôt sympa. À voir. Quand t'es là. Un musique, c'est parfait. Oui, je me souviens plus l'intitulé du le résumé du mode. C'est une histoire de on presse le monde, c'est ça? Ouais, ça, ou le premier c'était Obscurity, je sais plus. Non, Obscurity c'était autre chose. Obscurity. C'est, il fallait être dans des abris. Il y en a deux en fait qu'on a regardé, qui sont les plus récents. Donc on va voir ça. Bon, sur ce, on va arrêter l'arnaque ici. N'est-ce pas l'épisode 1? Non, mais au moins on vous a dit clairement notre ressenti, tout ça. Comme ça, vous savez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez fait le modpack et que vous avez des super belles bases ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. Je sais pas si on peut le mettre dans les commentaires. On n'a pas le droit de mettre des liens, non? Si on peut maintenant. N'hésitez pas à mettre des liens dans les. Dans les commentaires de cet épisode là. Bah pour qu'on puisse partager les screenshots, ça pourrait être sympa. Oui. Ça pourrait être plutôt cool parce que je sais qu'il y en a qui font des bases de ouf. J'avais vu des trucs passer sur Twitter. Tu viens près de Botania? Le beacon. De quoi? Où ça? Quel beacon avec les boss? Ah nice. Vas-y fais le péter. Ah, y'a les boss! On a invoqué combien? 3 ou 4. Je m'envole vers le ciel. Je peux pas descendre, regarde. Ouais, c'est le. Voilà! Bon. Voilà, ils sont morts. Ah, bah y'a encore les pixies. What the fuck? On a récupéré quoi? Bah, rien du tout en fait. Ça pète. Je crois que la TNT a tout fait péter. Bon, c'est marrant. Allez, sur ce, on vous dit rendez-vous à la prochaine pour le nouveau modpack. Des bisous partout et mais continuez à nous dire tous les ressentis, les trucs comme ça dans les commentaires. En tout cas, je continue à les lire, surtout sur cette série. Il y a moins de commentaires, c'est assez agréable. Et bah, n'hésitez pas et j'essaierai d'y répondre. Bah, pour ça, voilà, si vous avez plein de trucs, des avis, des machins, hésitez. Allez, à la prochaine! Bisous! Nous renaîtrons dans un autre bac. Ah oui. Bisous!